Un jour brillant dans le ciel, cette jour et cette nuit, une croix qui sera visible par chaque homme de la terre. Ce jour, mes frères, qui n'est pas si éloigné de nous, il ne faudra pas croire ces scientifiques qui parleront d'un phénomène cosmique, car cette croix sera le signe de l'imminence, de la survenance du dernier acte de miséricorde de notre Dieu envers la race humaine. Cet événement a pour nom l'illumination des consciences. Chaque homme sur la terre y sera soumis, quelles que soient ses croyances. Faites donc ce que vous voulez, continuez à creuser vos tombes, déboulonnez les statues des saints et des anges, chassez de nos mairies la crèche de notre Jésus, continuez à raser les églises, à les réhabiliter en mosquées, persistez mais signez avec vos lois iniques, à l'opposé des commandements de notre Dieu, où tous nos malheurs ne viennent que de là. Vous l'apprendrez ce jour à vos dépens, pauvres petits hommes qui ont rejeté notre Dieu, se faisant désormais esclaves de Satan. Lorsque la croix dans le ciel disparaîtra, laissant le silence et la nuit, nous préparez-vous, mes frères, au voyage que nous allons tous faire. Nous allons chacun voir notre âme telle que le Christ la voit, mais la vision de tous nos péchés sera la source d'un tel effroi que beaucoup en mourront et plus encore en deviendront fous. Pour le reste, il s'agira de choisir entre le Christ et le diable. Après cet événement, personne ne pourra plus dire que le Christ n'est pas le Fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes juifs. Faites donc ce que vous voulez, continuez à creuser vos tombes, déboulonnez les statues des saints et des anges, chassez de nos mairies la crèche de notre Jésus, continuez à raser nos églises, à les réhabiliter en mosquées, persistez mais signez avec vos lois iniques, à l'opposé des commandements de notre Dieu, tous nos malheurs ne viennent que de là, vous l'apprendrez ce jour à vos dépens. Pauvres petits hommes qui ont rejeté Dieu, se faisant désormais esclaves de Satan.